Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de notre thème qui se porte sur la lutte contre les méfaits de l'environnement. Faut abattre ça là. Voilà. Ah, ça là, ça va amener à maser. Ouais, il a dit là. Ça va pas ça où? L'environnement est notre père et la terre est notre mère. Alors, pourquoi la détruire? Elle sait bien s'occuper de nous, ses enfants. Qu'est-ce que vous faites? On coupe du bois. Nous coupons du bois. Vous avez pas que le bois est précieux. D'où vous venez, mais? On vient de l'école. Entretenons les arbres, car un monde sans environnement est comme un enfant sans éducation. Il est interdit de couper les arbres parce que l'arbre est très utile à l'homme. La nature est la première richesse du monde. La nature est si belle. Pourquoi la détruire? La coupe abusive du bois, ça favorise l'avancée du désert. Il nous soigne à partir de ses feux. Oui, au reboisement. Non au feu de bouche, non à la coupe abusive des arbres. À cause de ces écorces, on peut soigner n'importe quelle maladie, comme le paludisme, en faisant des tisanes. Mais pourquoi tu es meilleur comme ça? C'est à cause du paludisme. Il faut qu'on détruise l'environnement. Mais. Oui, non, c'est ça. Laisse l'arbre là. Il n'y a pas bon détruire l'environnement. Regardez ça. C'est parce qu'on les a protégés qu'ils sont devenus comme ça. Et est-ce que l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie? Non. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Tout ça, c'est parce que vous êtes en train de détruire l'environnement, là, que la pluie n'a pas beaucoup plu. Non. C'est parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'engrais dans les champs là. C'est pourquoi on n'a pas eu beaucoup de pluie. Sinon, ce n'est pas à cause de votre environnement. Mais vous avez un environnement même. La nature est un don de Dieu. Que ferons-nous sans elle? Pour avoir un environnement sain et propre, nous devons adopter une nouvelle méthode appelée entretien et reboisement. Pour que tout ce rêve se réalise, nous devons éviter de brûler les chargés dans la nature, éviter la divagation des animaux, éviter les feux de bouche et éviter de polluer la nature. Nous devons reboiser. Planter des arbres, car l'arbre est un végétal qui produit, qui grandit, qui soigne et qui meurt. L'environnement est la première richesse au monde. Je suis le bois dont tu fais des arbres, la marche de ta route, la porte de ton amour. Écoute mes prières, oh. Oh, prière, laisse-moi vivre pour temporiser les climat de l'environnement. Laisse-moi vivre pour favoriser l'éclosion des fleurs. Aimons-la, respectons-la, protégeons-la, car la